ici la télé de papa, on s'en moque. On n'en a pas besoin. Excuse-nous, Jackie. Et merde. Ah, y'a Radisson. Putain, mais ils ont pris la crème de la crème, là. On peut gagner combien d'argent? Je sais que Kingstar, il gagne un salaire de 300 000. Par mois. 300 000 par mois. Net. Ça fait rêver. Ah ouais, ça fait rêver, hein. Tu rêves, toi. Ah, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description, ok. Et bon visionnage, parce que c'est une intro, c'est fini, les outros, les gars. Pouce bleu. J'aimerais bien regarder une vidéo de France 2 qui a été faite récemment, que tout le monde a regardé, mais qui m'intrigue énormément. 300 000 euros par mois, c'est en effet ce qu'a surgagné le plus célèbre ambassadeur de Fortnite, Kingstar. Et ses fans font des heures de queue pour quelques secondes de selfie. Je sais pas trouver les mots, mais vraiment, je l'admire. Les hookers Fortniteurs. Les gars, sachez, je vais vous dire un truc, ok? Laissez-moi vous partager un truc. Paris Games Week 2019, je l'ai faite, ok? Il y avait beaucoup de monde qui sont venus me voir. Et merci à tous ceux qui ont fait la queue, les gars. Il y a des gens, ils ont fait deux heures de queue pour me voir et c'est hallucinant. Il y a des gens qui m'ont pleuré dans les bras. C'était incroyable. J'avais pas beaucoup de mini zookers, les gars. Je vous jure, j'en avais pas beaucoup. Il y en avait, hein, mais j'en avais pas beaucoup, tu vois. Et quand je regarde ça, je me dis, heureusement, j'ai pas joué à Fortnite. Bon, après, ils avaient un peu la pression de me voir. Les gars, s'il vous plaît, quand vous venez me voir, n'ayez pas la pression, putain de merde. Genre, je suis pas le président de la République, les gars. Bon, je vous dis pas non plus de prendre la confiance et d'arriver et de me faire un bisou, quoi. Ok? Quant aux interviews, n'y pensons même pas. Kingstar, vous faites rêver des générations entières, là. Non, c'est pas le moment. Non, vous sortez, tout le monde. Elle est fort, Kingstar. Quoi? On parle là-bas, on m'appelle? Parce que moi, j'aurais fait le sourire le plus cringe que j'aurais pu faire vers la on caméra, gros. C'est quoi, vous sortez instantanément? Enfin, c'est quoi ce bordel? Ici, la télé de papa, on s'en moque, on n'en a pas besoin. Excuse-nous, Jacqueline. Si la télé de papa, on s'en moque. On n'en a pas besoin. Excuse-nous, Jacqueline. Et merci. Attends, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut gagner combien d'argent? Je sais que Kingstar il gagne un salaire de 300 000 par mois. C'est ça leur source? Mais il est où le reportage complet? Quelqu'un a un reportage complet? Ah, y'a Radisson. Putain, mais ils ont pris la crème de la crème là. Je veux parler des moins de 20 ans. Gars, c'est moi ou ce monsieur, on dirait qu'il a pas de cou. En fait, soit il a pas de manteau, soit il a pas de cou. En fait, le. Sa tête va dans la continuité, tu sais, y a pas le... C'est plus... On est sur un truc comme ça, tu sais. Programme. C'est un pouce. Mais le fond, votre Fortnite qui est un peu plus qu'un jeu. Récemment, on y a même organisé un concert. Plus de 12 millions de téléspectateurs. Thierry Ardisson, c'est énorme. Ça fait rêver. Oh, ouais, ça fait rêver, hein. Tu rêves, toi. Mec, Ardisson, il s'entendrait tellement bien avec mon daron, gros. Il serait là en train de dire... Gamers, première journée de travail en tant que support, j'ai bien aimé ton stream aujourd'hui, très important. Ce que je trouve cool sur Fortnite, c'est bah, t'es avec tes amis, tu joues ensemble, un mec underground, et surtout, c'est gratuit. J'espère que jamais toi et les autres streamers vous ne deviendrez comme ces boomers. Vous êtes les médias de papa de demain, méfiez-vous, émoticône clignant de l'œil. Gros, en France, on est en train d'accélérer le truc. On fait des émissions tous les mardis soirs. On est en train de littéralement bousculer ça, justement. On organise des événements et des émissions. Oh, alors qu'à la base, on était juste des coqueurs derrière leur écran. Ah, Domingo! 150 millions de joueurs dans le monde. Waouh! Ça me dépasse, je comprends pas. Je comprends pas. Non, non, moi non plus, je comprends pas. T'inquiète. Vous inquiétez pas, madame. Je comprends pas non plus. Vous inquiétez pas, madame. Moi, on m'appelle déjà boomer, alors imaginez-vous. Le créateur de Fortnite, l'américain Tim Sweeney. Ce mec, les gars, c'est mon héros. Ce mec, c'est mon héros, mec. Dans les 10 prochaines années, je pense que l'on va voir le jeu vidéo devenir la première activité sociale. Ouais, un génie. Visionnaire, derrière un génie, ce look mec. Tranquille, Tim Sweeney vient bousculer les géants Apple, Google, bon Facebook. Bon avec son fume-les et ramène-nous les excuses sur PC, s'il te plaît. Ramène-les, là, qu'on les fume, ces consoles. L'intérêt, c'est qu'ils dépensent. Comment tu rentabilises ton jeu s'il n'y a pas de micro-paiement dedans quand ton jeu est gratuit, tout créer une machine de guerre financière. Faut que ça marche. Eh les gars, demain, je vends mon iPhone, mais il est gratuit. Ouais. À 48 ans. 48 ans. Mon daron, il a 70. Il a l'air plus jeune. Oh merde. Dans le garage de la maison familiale. Code créateur Loclary. La consécration
ne viendra que 27 ans plus tard. Waouh ! Psychologue. Des écoles de management ou de commerce. C'est quelque... Ah bah non, est-ce que tu connais une personne qui a réussi dans ce monde qui était dans une école de commerce ? Non ! Tu sais pourquoi ? Parce que les écoles de commerce, ça pue la merde ! Je charrie, je charrie. 2000 salariés. Ah mais danse, j'en ai énormément parce que j'adore les danses. Ma préférée, il y a celle-là, clairement. Oh. 8 euros pour une danse. Guillaume en a plus d'une cinquantaine. Waouh mec, c'est dur putain. Et s'il vous plaît, achetez vos V-Bucks avec le code créateur, s'il vous plaît. Achetez les danses, achetez-les avec le code créateur Lucky Riac, s'il vous plaît les gars. Dès maintenant, vos V-Bucks et vos danses avec le code créateur Lucky Riac. Merci les gars. Des danses devenues célèbres grâce aux stars du football, les petits déhanchés d'Antoine Griezmann ont fait le tour du monde. Sérieusement? C'est lui qui a inventé ça? Non, c'est le contraire. C'est depuis les danses Fortnite, lui il a fait ça. Qu'est-ce qu'ils sont mal renseignés ces cocklords? Il y a celle-là. Parce que bah je suis un peu un rageux du coup bah. Celle-là bah c'est parce que je suis un peu un pigeon quoi. Au moins il a donné. Parce que je suis un peu un pigeon. La facture pour Guillaume, 150 euros. Avec le code créateur, ça fait combien ça? Attends, ça fait combien ça? On y va les gars, on y va. 100 et 150. Oh. Il a l'air bon, Kevin, 10 ans. La moyenne d'achat sur un compte Fortnite est de 150 balles. Ça vous va les gars? Donc comme quoi, et si on vendait un jeu avec 10 000 DLC, qui est une copie conforme tous les ans, bah tu sais quoi? Allez, les jeux payants, voilà, boum. Faut compter dans les 25 euros, 20 euros, voilà, par saison. Oh. Ah, par saison! 600 euros et quelques. Ethan, 14 ans. 611 euros pour être précis. Ok, pour être précis, les gars, combien a coûté le PC qu'on vient de faire tout à l'heure? Ok, là on a fait la config budget à 650 balles. Voilà, si vous avez 650 balles à mettre, ok? C'est les mêmes gars qui me cassent les couilles en me disant ouais, on n'a pas l'argent pour le PC, gnagnagna, mais par contre, t'as 600 euros à mettre dans Fortnite. Ah, c'est intriguant ça. Tout son argent de poche y est passé. Ah, oh, c'est dommage! Tout ton argent de poche aurait pu passer dans un PC. C'est pour ça que maintenant je mets vraiment plus du tout d'argent dans le jeu. Non, tu t'es fait surtout engueuler par Daronne. Ça reste quand même raisonnable à raison de 100 euros par an. Ce qu'elle a pas envie de dire la Daronne, c'est que eh, franchement 600 balles sur 3 ans c'est top. Son divertissement principal, 600 balles, waouh. Pas besoin de l'inscrire dans un club de ping-pong, 1400 euros par an économisés. Pas besoin de l'inscrire dans un club de natation, 600 euros d'économiser par an. Oh, pas besoin de l'inscrire dans un club de tennis, pas besoin de potes, juste rien besoin frérot. Et en plus il mange moins. Eh, du coup il consomme moins. Eh, moins de pétrole, moins d'essence. Eh, trop bien. S'il y en a un qui n'a pas digéré la facture, c'est Kendrick Perkins, l'ancienne vedette du basket américain. Voilà. Comme ce fut le cas le 15 octobre dernier. Non, pas Michou, non, les joueurs voient leur jeu petit. Eh, le bouseux, j'ai un conseil à te donner, frérot. J'ai un conseil. Tu veux pas mettre ta cam encore plus petit? Attends, je vais essayer de communiquer avec toi, le bouseux, d'accord? Merci, Minoclair, pour les conseils. Merci beaucoup. Cringe! Je veux dire ce qui est cringe. Derrière moi! Bon. Le trou noir de Fortnite, c'était génial. C'était génial. C'était une super OP, mec. Pendant 40 ans, Epic Games offre chaque année 100 millions de dollars de gains. À Lyon. Combien ils ont d'offres Overwatch? Combien? Combien vous me dites? Attendez, combien? Combien? 10 euros? Une statue Mercy? C'est Buga qui a gagné là, non? Blacks termine 79e. Oh. Il repart quand même avec un chèque de 50 000 dollars. Comment 60e mec, 50 000 dollars gros. Et toi t'es allé sur SOT. Eh hey, Bobby! C'est quoi? Pour ta munition, tu vas faire 7 vidéos. Et on fera en sorte de se faire démonétiser encore une fois. Pow! Il y avait Gotaga, hein. Gotaga qui s'est ramené, je rappelle, en claquette chaussette avec la paille dans les mains. C'était dans celui-là, hein, la paille dans la bouche. Et c'est parti pour Gotaga avec la sucette. Gotaga, mesdames et messieurs, qui vous dit. Ok, boomer. Pendant des heures, des gens jouer. Imagine tes parents, ils disent je comprends pas comment on peut regarder quelqu'un jouer aux jeux vidéo. Alors qu'ils regardent des gens jouer au tennis, au jeu au football, au jeu au ping-pong. Mais je comprends pas, pépé gars. Gagner ma vie dans ce domaine-là, ça me... J'aimerais beaucoup. Est-ce qu'on peut gagner combien d'argent? Je sais que Kingstar il gagne un salaire de 300 000. Kingstar, mon héros mec, 300 000 par mois. C'est ce qu'a surgagné le plus célèbre ambassadeur de Fortnite. Kingstar. 300 000 par mois. Net. Net.
Il a dit net. Genre il a 12 ans, il sait que déjà la différence entre net et brut. Tu vois ce qu'on a là ? Pour toute réponse, le staff nous dégagera sans ménagement. Vous sortez instantanément ? Enfin, c'est quoi ce bordel ? Donc vous croyez à une cohabitation des deux ? Je pense à une complémentarité. Ouais. Ce sont des canaux. Y'a rien de complémentaire, frérotte. Quand j'allume ma télé, j'ai ma Chromecast, frérotte. J'ai aucun intérêt d'allumer vos chaînes de merde. Non seulement en France, mais en plus, t'imagines même pas au Canada, frérot. Au Canada, c'est encore pire. Y'a pas de complémentaire. Dégage ta télé ! Dégage-la ! Pose bleu, mon pote. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description, ok ?